Je suis Yanis276. Oui, donc tu t'es présenté avant moi, c'est génial. Salut tout le monde, alors bienvenue dans un nouvel épisode de cette série qui est absolument géniale, voilà. Donc aujourd'hui, nous avons deux personnes qui vont commenter cet épisode parce qu'ils ont absolument rien d'autre à foutre à 23h. Hein. Donc, Yanis, bah voilà, voilà. Présente-toi un petit peu, mon gars. Salut. Ok, tu t'es très bien présenté. Bon, bah voilà. Donc, voilà, Yanis qui joue à Minecraft depuis. Voilà, exactement. Je viens de lancer mon timer, j'ai profité que tu fasses le con pour pouvoir. Voilà. Et donc, nous avons. Longtemps. Voilà. Et nous avons aussi Raikashi. Donc, salut non, Raika. En fait, je Ra... joue depuis la Ah putain. 1.2. La 1.8. Ok, on s'en fout de ta vie. Et donc, il y a aussi Raikashi que j'appellerai Rai. Salut. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Raikashi. Donc, Raikashi qui joue à Minecraft depuis Environ 3 mois. 3 mois, putain le dingue. Voilà. Donc et donc c'est parti donc pour une nouvelle aventure avec Bullcraft Industries, enfin bref, avec tous les modes de la mort qui tue que j'ai cité la dernière fois. Donc la dernière fois, je me suis aussi rendu compte que j'étais allé un peu trop vite en besogne, étant donné que j'ai fait les trucs comme un taré sans vous expliquer ce que je faisais. Donc oui, ça m'arrive de temps en temps d'oublier que y a des noobs qui me regardent. Non, je plaisante. Bon, non, m'insulte pas Yanis, c'est bon, j'ai compris. Donc on va commencer par le début. Donc là, vous voyez, je suis chez moi et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des fours blancs. Alors les fours blancs, en fait, sont des fours en fer qui économisent 20% de combustible quand ils cuisent. Par exemple, quand je fais cuire un stack de quoi que ce soit, par exemple de bois, ça ne prend que 6 charbons à la place de 8. Donc c'est trop la classe. Ensuite, alors cette machine là qui est devant moi, c'est la machine qui plante les arbres et qui met aussi de l'humus, et voilà. Et la machine à côté, voilà, c'est le truc qui coupe, vous voyez. Oh, il a coupé une feuille et pof, là il y a une pousse qui est en train de passer devant nous. Dans les tuyaux. Les tuyaux qui. Ah, je vais y arriver. Désolé, je viens de tuer les oreilles de tous ceux qui écoutaient l'épisode. Donc je disais. Quand ça coupe, ça récolte, vous voyez. Donc ça, j'ai laissé tourner quelques minutes. Donc on a récupéré tout ça déjà. Et donc, si j'ai mis ces drôles de machines à côté, c'est juste que ça donne de l'énergie à tout ça. Et que 30 secondes, je reviens les gens, petite ellipse de ce que vous... Parlez-vous pendant que vous êtes là. Re, je vois que vous avez beaucoup commenté pendant que j'étais pas là, décidément vous êtes trop fort. Mais vous êtes toujours là les gars, oh. Oui. Bon, d'accord, donc je disais, on parlait pastèque avec ma mère. Je vous avais aussi dit, donc ceux qui ont regardé l'épisode, putain, je suis désolé, vous venez de vous emmerder pendant 20 secondes. Que je ferai un élevage, donc j'ai pas trouvé de vache, donc voilà, cochon pauvre. Et juste à côté, de quoi nourrir les cochons pauvres. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire pendant cet épisode? Alors, on a le choix, ben justement, puisqu'il y a deux intervenants cette fois-ci, c'est vous qui allez choisir. Soit je vais faire une machine qui permet de miner assez rapidement, soit j'améliore le système pour avoir du bois plus rapidement encore, et l'avoir directement chez moi. Ou alors je peux aussi faire ma maison. Moi avant j'avais une question, c'était quoi les fours blancs? Alors je l'ai dit, c'est des fours en fer qui permettent de gagner 20% de temps et de ressources lorsque je fais cuire les trucs. Par exemple, au lieu de pour un stack entier, au lieu que ça me coûte 8, ça me coûte que 6 de charbon. Un stack, je rappelle, c'est 64. Donc voilà. Merci, je le savais. Enfin, peut-être que ceux qui regardent ne savaient pas. C'est pour ça que je le précise. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai le choix, soit... Tu le dis si on te fait chier. Donc soit je fais la maison, soit je j'améliore le système. Putain, qu'est-ce qui est en train de bouffer des chips là, bordel, on dirait trop. Yanis, tu fais chier. Donc je disais, putain, cet épisode, je sens qu'il va passer en hors-série. Donc Eo, les gens, ben justement, Eo, Raikashi et Yanis, qu'est-ce que je fais? J'améliore le système de récolte de bois, je crée une machine pour récolter, pour miner à ma place, ou je fais une maison viable? Miner à ta place.
Tu fais une maison viable. Qu'est-ce que t'as dit, Rai? Miné. Hein? Miné. Miné. Allez, miné, c'est parti. Alors. Mais pourquoi? Parce que toi, tu fais du bruit, donc t'es pas poli. Donc, quand on est poli, on n'a pas ce qu'on veut. Quand on est poli, on n'a pas ce qu'on veut. Quand on n'est pas poli, on n'a pas ce qu'on veut. Donc, il me faut du diamant. Il me faut. J'ai oublié ce qu'il me fallait. Donc, on va regarder le nom de la machine. C'est une. Curry. Donc je clique dessus pour voir la recette. Oh putain, j'avais oublié que ça coûtait aussi cher en ressources. Alors rien que voir ça, vous voyez les gens, ça me trouve le cul. Parce qu'il va me falloir 3, 6, 9 diamants. 2... Non, ah non. 4, 8, 11 diamants, pardon. Ça va être génial. Donc, je disais, il va me falloir du bois, le bois que j'ai pop ici, étant donné que je commence à avoir un sacré stock. Voilà. On referme. Ah oui, et dans ton ancienne vidéo, t'avais pas parlé du point rouge. Ah, le point rouge. Et ben justement, bah, on verra ça peut-être dans le troisième épisode. Si vous êtes sage. Mais moi, je suis toujours sage. Ouais, mais toi, tu sais déjà ce que c'est, donc... Voilà, donc je suis en train de faire des engrenages comme vous pouvez le voir. Alors j'en fais un petit stock étant donné que comme ça j'en aurai d'avance. Voilà. Ensuite je les transforme en. Hop là. Voilà. En stone gear. Voilà, parce qu'avec l'accent anglais ça le fait trop. Ensuite il me faut. Mais j'en aurai pas assez. Donc encore. Le mentalisme. Ouais. Et je vais te poser une question, est-ce que les fours en fer ça cuit plus vite? Ça cuit 20% plus vite en fait, c'est pour ça qu'on économise 20% de ressources. Ok. Donc je récupère du fer et des lingots d'or. Oui je sais, les cochons font un barouf de fou, mais pas, enfin c'est pas parce que vous me le direz que je changerai quoi que ce soit. C'est vrai que vous qui êtes en train d'assister à l'émission, vous n'entendez pas ces saloperies faire du bruit. Alors, il m'en faut combien? Donc, oh merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh misère. Ouais, bon bah écoutez. Ça m'apprendra à compter. Hop, 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 hop. Eh ben non, puis il va m'en manquer hein, au final. Alors je sais, c'est moche, voilà. Là comme ça c'est mieux. Alors il me faut de la cobble. Voilà. C'est bon, pile ce qu'il faut, pile ce qu'il me fallait. J'en mets un là. Ensuite j'entoure, comme vous pouvez vous faire un stone gear. Que j'entoure de suite de lingots de fer. Voilà. Donc ensuite il va me falloir, donc j'en garde 2, 3. Donc j'en garde 3 et ensuite le reste c'est pour faire. Alors 1, 2, 3. Donc le reste, je vais entourer d'or. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, voilà. Ce qui me fait 4 engrenages de d'or, pardon. Donc il m'en faut 2 en diamant. Donc 1, 2. Que j'entoure de diamant. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, ça coûte sacrément cher en ressources cette saloperie. Hein. Par pitié, mais on ne demandait pas d'en faire 36 000. Hein. Ah, et il fait nuit, je vois. Donc je vais peut-être aller dormir avant qu'il y ait les monstres qui spawnent et qui m'empêchent de faire dodo. Je vois que ça commande beaucoup, décidément. Mais en fait, vous êtes super utiles, les gars. Ouais. Ouais, bon, d'accord. Donc ensuite, la redstone. Et ensuite, on va donc crafter ça. Hop là. Hop là. Donc la redstone ici. Les trucs en fer. Là, là et là. La pioche. Ici. Les trucs en diamant. Là. Et l'or ici, ce qui me fait une carry. Le truc c'est que la carry ne va pas pouvoir se bazarder toute seule, donc il va me falloir des pistons. Évidemment, sinon c'est trop facile, j'en ai plus. Donc on va s'en faire bah, maintenant. Est-ce que j'ai du verre sur moi? J'ai pas de verre sur moi, je récupère du verre. Hop là. Et oui, cette fois-ci j'ai toutes les ressources, hein, contrairement à la dernière fois. Alors, Steam. Voilà. Je suis témoin, il les a cheatés. De quoi je les ai cheatés? Les ressources. Ah oui, grave. Surtout le bois.
Voilà. Donc ensuite, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Par contre, je vois que je commence à manquer de fer. Alors ça, c'est incroyable, hein. Parce que j'avais un sacré stock de fer initialement. Voilà. Et donc, ça me fait 3... Oh, pourquoi je fais 3 pistons? J'en sais foutrement rien. Ensuite, il me faut... hop, donc... Alors j'en fais beaucoup là en fait tout simplement pour, bah, pour faire beaucoup de machines. Un petit dernier. Voilà. Ah pff, putain j'en ai déjà en plus. Bon bref. 2, 3, 4, 5, 6. 6 grosso merdo. Hein. Voilà. Ensuite, bah, hop. Ici. Ça va. Là. Ça va. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça, ce sont les pistons qui permettent d'alimenter les machines, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. 1, 2, 3. Hop, là. Et là, il va me falloir un sacré stock de charbon. Et je n'en ai plus, si je me souviens bien. Ah si, j'en ai là, bon. Écoutez, je prends. Ce sera vraiment pas Dans suffisant. tout, t'as tous mes items. C'est pas too many items, c'est no enough item. Bref, donc voilà. Je vais récolter du bois, je vais le mettre à chauffer et pendant ce temps, je vais trouver un endroit où poser la carry. Parce qu'en fait, je transforme le bois en charbon, que vous n'auriez pas encore compris. Hein. Alors ça, vous pouvez le faire dans tous les fours, hein, je le rappelle. Voilà. Voilà. Ça fait du charbon de bois, donc pas du charbon normal, donc voilà. Et là, ici aussi, hop. Voilà. Donc, où est-ce qu'on va poser la carry, les gens? Ouais, vous êtes super utile en fait. Bah, je vais la poser là. Où tu veux? Ouais, c'est bien ce que je disais, super utile. Donc, Bah, au moins, on te laisse le choix. Hein. ah oui, ça c'est sûr. Estime-toi heureux. The. Oui, merci. Alors donc, ensuite il me faut des leviers parce que j'ai encore oublié d'en craft. Donc je vais m'en faire deux. Hop là. Et ensuite j'ai posé les steam engine ici. Alors je viens de me rendre compte que j'avais en plus oublié, hop là, le plus important. C'est quoi le plus important? Aucune idée. Bah allez, devinez, c'est super facile. Piston. Non Hamster. non. Non non, encore plus important. Hamster. Là ça va miner, mais les ressources elles vont aller où? Coffre. Eh oui, donc il me faut donc récupérer Bois. des pipes, j'oublie comment ça s'appelait en français, des tuyaux. Donc les tuyaux je les ai foutus là. Donc des tuyaux en cobblestone et des tuyaux en bois. Sans compter qu'il me faut aussi un coffre donc. Alors, là par contre cette saloperie va aller très très vite, donc j'ai intérêt à me faire un max de comment ça s'appelle? De coffre parce que sinon ça va aller enfin après ça perd les ressources hein, si ça peut pas aller rentrer dans le coffre. Donc je vais foutre le coffre pas loin étant donné que j'ai pas envie de m'emmerder à faire un long circuit hop là. Donc on va foutre le coffre là. Coffre là. Oh là là, j'entends mon écho. Parce que moi j'ai un casque. Ah non, c'était pas moi, hein. Moi aussi j'ai un casque. Voilà. Et donc attention, regardez, je vais, hop là, lancer en les machines. Et donc là, vous voyez, il est en train de construire un support. Bon, on va le laisser construire, on regardera ce que ça donne tout à l'heure. Hop là, pensant, je vais récupérer un petit peu de bois parce que j'ai vu qu'on avait quand même un sacré stock. Et donc, voyons, on a combien de temps au timer? 11 minutes 22, c'est un truc de dingue. Enfin, il reste 11 minutes 22, pardon. Donc, je récupère quelques pousses d'arbres parce qu'on en a trop là. Et merde. Voilà, bah écoutez. Alors, pour le moment, ces machines nécessitent un entretien assez régulier. Cela étant, peut-être que j'automatiserai ça au fur et à mesure que les épisodes avanceront. Donc, Donc, là, je ouais, vais là. récupérer. Oh là là, Oh misère. là. Je préviens, je peux pas regarder sur Skype. Hein. Alors, donc, nous disions que j'entends toujours mon écho. Voilà, je dépose tout ça parce que j'en ai pas besoin.
Oh la misère. Qu'est-ce qui se dit sur Skype? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? C'est Rai qui dit. Ouais, qui doit y aller. Ah ok, bah écoute, bonne nuit Rai et puis à la prochaine. C'était sympa à toi d'avoir autant commenté sur cet épisode. Non, ce n'était absolument pas ironique ni condescendant. Par contre, c'était très con. Est-ce que ça vous étonne de moi? Alors, j'ai l'impression que j'ai non, oublié non, un truc. Non, ça nous étonne pas du tout. Ah, si c'est pour la flagellation, je sais pas pourquoi je t'invite à mes émissions en fait, toi. Oh, c'est peut-être parce que t'as pas d'amis en fait. Oui. Je plaisante. Malheureusement pour moi. Heureusement pour eux surtout. Je plaisante. Alors. J'anime tes vidéos. C'est vrai. Hop là. D'ailleurs, en parlant d'animé, voyons l'animation. Oh, regardez, il y a une espèce d'énorme bille géante qui est en train de s'enfoncer dans le sol. C'est un truc de dingue, vous avez vu? Oh, regardez-moi toutes ces ressources. Oh, entre de puissance. Vous avez vu cette rapidité? C'est un truc de fou, hein. Ah, ça collecte rapidement. En fait, plus il y a de machines ici, plus ça collectera rapidement. C'est génial, hein. Tu vois la vitesse, là, Yanis? Non, parce que moi, le partage d'écran, c'est resté bloqué sur le four. Petite ellipse, tout le monde. Désolé, suite à un petit souci technique, nous avons dû faire une ellipse. Bref, donc alors, est-ce que tu vois toutes ces ressources quand même? Comment ça va super vite? Ouais, toutes les dirt, mais ça sert à rien en fait la bah, dirt. En fait, c'est le temps qui creuse parce qu'en fait, ça a pas l'air, mais ce truc va creuser jusqu'au fond de la map. Et moi, je me posais la question aussi quand il aura rempli le coffre. Le coffre, ouais. Bah, ça balancera les ressources un peu partout. C'est pour ça qu'il faudra quand même que de temps en temps je jette un coup d'œil au coffre pour voir s'il est plein ou pas. Non mais ça va juste à une vitesse mais folle. Ah non mais c'est un truc de fou hein. Alors ceux qui disent ouais c'est la facilité et tout, je vous rappelle quand même qu'il a fallu 11 diamants à la conception de cette saloperie. Donc je vous merde. Bon écoute, il reste combien de temps? 7 minutes 34. Est-ce que tu penses que j'ai le temps de leur montrer le point rouge? Oui. Ouais. Pas entièrement, mais oui. Ah putain, ça va être chaud. Hein. Je voulais dire, oh punaise, oh diantre. Eh ben écoute, tu sais ce qu'on va faire? Oui. Ah, tu le sais? Oui. Non mais, je dis pas, est-ce que tu sais ce que je vais faire là maintenant de suite là? Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Non. Bon, eh ben j'ai décidé qu'en fait j'allais commencer la maison. Ah, d'accord. Non, je plaisante. Allez, on va vers le point rouge. Ah, par contre, au niveau stuff, ça va, j'ai de la nourriture. Ça devrait le faire, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Il faut partir bien équipé. Oh merde. Il va bientôt faire nuit. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Bah non, pas si le soleil se couche. Attendez, je vais me coucher. Tu perds du temps. Oui, je m'en fous. Bah, allez. Tu casses ta maison. Je casse ma maison, c'est juste un petit trou quoi. Parce que j'aime les petits trous. Moi aussi, je préfère les gros. Ah non, je préfère les petits quand même, c'est plus pratique. Allez, c'est bon, je peux dormir. Allez! Vous ne pouvez dormir que durant la nuit, mais con. Ah, voilà, c'est bon. Qu'est-ce que je fous là, moi? Voilà. Donc on y va. C'est parti, mon kiki. Allez, bah parle un petit peu Yanis, tiens, dis-moi, comment est-ce qu'on s'est rencontrés, tiens, dis-le un peu. Je m'en souviens plus. Oh putain, le con. Ah oui, on s'est rencontrés, on avait un ami en commun. Voilà. Il m'a invité dans la conversation. Parce que justement, je cherchais quelqu'un qui pouvait m'aider au niveau plugin Minecraft sur mon serveur. Oui, et je l'ai très bien aidé même. Le serveur, ah oui, tu l'as très bien aidé pendant à peu près 2 jours. Oui, très bien. Ah ça par contre, y'a pas à chier, hein. Pendant 2 jours t'as été excellent. Puis après, c'est ouais. Quand même grâce à moi que t'as un serveur. Hein. Grâce à toi, je sais pas. Grâce à toi que j'ai trouvé un hébergeur qui vaut la peau du cul, oui, ça c'est sûr. Et sinon, les groupes, tu t'en occupes quand?
plaisante, hein. Depuis le temps, ils sont déjà faits, hein. Ouais, bah depuis le temps, oui, je m'en suis occupé. Encore heureux. D'ailleurs, Strouk a trouvé le moyen de les débugger, parce qu'enfin bref, on s'en fout, on va pas raconter la vie du serveur quand même. Eh, t'as vu, j'en suis quand même à. Ah, si les gens veulent y aller. Eh, ouais, bah s'ils veulent y aller, bah ils se débrouillent. Ils sont grands, il y a un épisode spécial déjà, rien que pour ce serveur, donc s'ils veulent visiter, ils visitent. Alors justement, je tiens à dire merci à vous tous d'ailleurs, parce que j'en suis à 1000 vues, Minecraft. donc je disais. Suite à ces 1000 vues, puisque j'en suis bientôt à 50 vidéos, la 50e vidéo sera une vidéo très spéciale, je ne vous dis pas en quoi. On voit un désert au fond, donc voilà, le désert va être notre salut, les gens. Je sais, je dis beaucoup de trucs en même temps qui n'ont strictement aucun rapport, mais c'est pas grave. Il faut... Alors j'aime bien. Alors tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, oui, par contre, arrête de meubler comme une merde. Raconte des blagues. 2 minutes plus tard, il venait de regarder un épisode où j'avais raconté une blague. Bon, bah au fait, continue de meubler comme une merde, mais raconte surtout plus de blagues. Super, ça fait plaisir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je meuble comme une merde, mais que mes blagues sont encore pires, c'est ça? En fait, je vous ai raconté l'histoire de Paf le chien. C'est l'histoire d'un chien, il traverse la route, une voiture arrive et paf le chien. Pardon. Donc, non mais je comprends pas, mes blagues elles sont excellentes. Regarde, Yanis il est mort de rire. Hein que t'es mort de rire. Non. Non mais en fait le problème c'est que depuis tout à l'heure je t'entends très 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 mal. Et quand je dis très 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 mal, c'est très 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 gentil. D'accord. Alors vous voyez l'espèce de merde noire là qui est en train de gicler, est-elle une éjaculation précoce? Oui je sais, mes images sont magnifiques. Il s'agit en fait d'une source de pétrole, donc je m'en occuperai peut-être un jour. Mais vous remarquerez que quand je vais dedans, hop là les éclaboussures sont bleues. Et que c'est de l'eau, enfin bref. Et je peux aussi nager dans le pétrole, hein. Et que je nagerai que dans de l'eau que serait de la exactement la même couleur. Bref, regardez sur la minimap en haut à droite, nous y sommes. Est-ce que tu vois bien c'est bon? Yanis, tu vois bien? Le partage d'écran est resté bloqué. Petite ellipse les gens. Re tout le monde, je sais qu'on vous a manqué et c'est reparti. Donc voilà. Donc ah mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Je suis tombé sur un fort. Oh misère. Tu vois ça Yanis? Oh non, me dis pas que c'est encore buggé. Non. Oui, c'est bon, je vois. Attendez, oh. Mais je rêve où il y a un générateur de mobs. Oh. Nah, voilà, plus de générateur de mobs. Ça déjà, c'est fait. Et ça fait quoi si tu montes? Ouais. Bah si je monte, c'est rien en fait. Oh. Putain de liane de merde, elle est toute crevée. Bah, casse-les. Oh, le type qui est en train de niquer son épée pour rien. Ah, oh, il fait tout sombre. Ouais, bah désolé, j'ai pas de torche sur moi. 30 secondes, je regarde dans les options s'il y a pas moins de... paramètres graphiques. Je suis déjà au maximum du maximum, donc... Alors, vous savez que je suis très fort contre les monstres. Mais là, je vous préviens que si ça chie trop, je serai obligé de passer en mode peaceful. Hein. Oh putain, vous les entendez? Vous les entendez, ces chacals? Oh putain. C'est la teuf! 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 T'aurais dû crafter un briquet. Putain, mais ils sont... générateur. Mais j'ai pas le temps. Mais t'es en peaceful. Meurs pas en putain, tout cas. Putain, hein. Putain. T'aurais dû prendre des pommes d'or. Oh oui, oh oui. Vas-y, attaque. Attaque. Vas-y, ma puce. Attaque. Et voilà, c'est la fin du timer. C'est la fin du timer. C'est la fin du timer. Mais pitié, mais laissez-moi 2 minutes. Laissez-moi 1 minute. Alors, juste 1 minute que je puisse arrêter l'épisode. Pitié. La crève, saloperie. Oh, ah. On me
tire dessus. Dis au moins salut à tous. Oui, faut que j'y aille, faut que j'y aille, ça fait 25 minutes. Au revoir tout le monde, on se retrouve dans un prochain épisode, si je suis toujours en vie. Salut.